Barça 1, Albacete 0. Acaba ja recuperant Messi aquesta pilota. Ronaldinho, així de cinc, amb aquesta opció, Messi, la torna a aixecar. Le Sporting Club du Portugal s'impose 3 buts à 1. Cristiano Ronaldo se révèle à l'Europe du football. Il n'avait pas peur, il jouait avec cette sorte d'arrogance positive. Je suis Ronaldo, je suis là. J'étais absolument convaincu qu'à l'issue de ce match, nous perdrions Cristiano Ronaldo. Après avoir fait un match fantastique contre le Manchester United de Sir Alex Ferguson, les joueurs mancuniens harcelaient Sir Alex pour pouvoir recruter la jeune perle portugaise. Ce qui a été fait, car Cristiano Ronaldo rejoindra quelques semaines plus tard les coulisses d'Old Trafford. Débutera face à Bolton, où Manchester United remportera le match 4-0. Il fait une entrée fulgurante, harcèle des défenseurs. Le reste appartient à l'histoire. All the way through and in. I think he'll claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United, and it will certainly make everyone today rest a lot easier. Come away and leave him. Ronaldo went for goal. Oh. That will do nicely. That has wrapped it up today. United. Gary Neville's cross. Ronaldo! Sa première saison est très prometteuse car il va réussir à marquer 5 buts et remportera la FA Cup. Un bon début. Suite à ses bonnes performances, il sera convoqué pour disputer l'Euro 2004 avec la sélection portugaise. Un Euro 2004 qui se déroulera au Portugal. Gol, Pio Enna con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va une fois de plus se révéler au monde du football avec un assez bon Euro 2004, inscrivant 2 buts alors qu'il n'avait que 18 ans à l'époque. Le Portugal s'en ira en finale affronter la Grèce. Les Portugais peuvent enfin soulever leur premier titre de leur histoire. Et comment dire, tout ne s'est pas passé comme prévu. Le Portugal va perdre la finale à domicile 1-0 contre le Grec et va louper une opportunité de soulever son premier titre de son histoire. Des larmes d'adolescent sur le visage du Cristiano Ronaldo témoignent sa détresse et celle du peuple portugais. Van Nistelrooy, surely it's going to be Ronaldo, it is. 2-0 Manchester United, it was all about Wayne Rooney. Malgré une bonne progression du joueur, Manchester United n'arrivera à remporter aucun titre cette saison. Pour Messi aussi, rien ne va plus. L'Argentin vient de se blesser pendant 8 semaines après un 8e de finale contre Chelsea. Une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant 2 mois. Qui va lui faire louper la finale de la Ligue des Champions. Une blessure qui va remettre en question toute sa carrière footballistique. C'est pour ça que Messi va changer son mode de vie. Lorsqu'il a vu le FC Barcelone soulever le titre de la Ligue des Champions, ce fut une victoire amère pour le jeune Argentin.
et il a décidé de changer les mauvaises choses. Il faut dire aussi que le régime de Messi n'était pas vraiment en point. Junk food, pizza, Coca-Cola, Pepsi, rien n'allait. Mais l'Argentin a su changer son mode de vie et est plus passé vers un mode de vie beaucoup plus drastique et beaucoup plus sain en allant consulter un nutritionniste. Lors de la Coupe du Monde 2006, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont tous deux convoqués pour la Coupe du Monde organisée en Allemagne. Messi fait un assez bon mondial avec son premier but marqué, un but marqué alors qu'il était très jeune à l'époque, tandis que Cristiano Ronaldo marquera aussi son premier but. Même si l'Argentine va être immédiatement éliminée dès les 8e de finale contre l'Allemagne après une séance de tirs au but calamiteuse, Cristiano Ronaldo lui arrivera en demi-finale de la Coupe du Monde 2006, s'inclinant face à la France d'un Zidane des grands soirs. Les Portugais auront dominé ce match avec plusieurs occasions ratées, avec un jeu beaucoup plus dominateur, mais les Portugais n'auront pas réussi à trouver le cadre et à aller arracher la prolongation, chose qu'ils devront rectifier lors des prochaines échéances. Une énorme déception pour Cristiano Ronaldo, pour Luis Figo et pour Piero Miguel Pauleta. Ça pour intégrer l'équipe première. À 17 ans et 10 mois, il devient même le plus jeune buteur de l'histoire du FC Barcelone. Le premier but d'une longue série. C'est devenu le meilleur joueur qu'il y a au Barça. C'est pour moi le meilleur joueur du monde, incontestablement. C'est le joueur le plus magicien pour sortir le ballon d'endroits absolument où il n'y a aucun espace. Et si Lionel Messi passe dans des trous de souris, c'est grâce à son centre de gravité très bas, à la vitesse de réaction de sa cheville et à ses changements de direction incessants. Il a un truc extraordinaire. Il arrête et il repart à la même vitesse. À la limite, tu ne le vois même pas s'arrêter, qu'il est déjà reparti. Et ça, pour un défenseur, c'est mortel. C'est un joueur à part. Il nous fait mal quand il veut. Pour nous, défenseurs, c'est vraiment très très dur face à lui. He sees it with his left foot, great composure, he strokes the ball past Casillas for the equaliser. That was more like the old Barcelona. Just on. Absolutely right, the linesman got it right. Moments ago, Eto'o, I thought he was offside. Flashing in by Messi! It's Van Nistelrooy 2, Messi 2. Lionel Messi, just 19 years of age. Tonight he's becoming a man. Casillas is unlucky because he makes a good save from Ronaldinho. Ronaldinho gets lucky, the ball comes back to him. From Eto'o, he thinks he scored, it comes back out. Messi, still all the work to do. He absolutely thrashes the ball with his left foot. Everybody up! Messi has got it!
who scores for 10-man Barcelona in extra time. You can't write a script like this. That wonderful left foot of Messi is struck again. Absolutely brilliant shot from Messi. Across Casillas into the far corner. He gets a hand to it, but the power of the shot takes it past Casillas. On te sent heureux ici à Barcelone. Quand tu es sorti mercredi, tu as eu le droit à une très belle standing ovation. On te sent vraiment dans ton jardin ici. Oui, ici je suis comme à la maison. Cela fait 3 ans que je joue à Barcelone. Je me sens en famille au sein de ce club, de cette ville. Tout se passe vraiment bien pour moi. C'est une chance de pouvoir évoluer dans un tel environnement et surtout dans un tel club. Cette année en attaque, il y a Thierry Henry, Samuel Eto'o, Ronaldinho et toi. Les 4 fantastiques, et donc une grosse concurrence. Oui, mais c'est bien d'avoir tous ces talents, car personne ne peut se relâcher. On n'a pas eu de chance avec la blessure de Samuel Eto'o, qui est un joueur très important pour nous. Mais ici, vous êtes obligé de travailler tous les jours pour jouer et vous améliorer. Diego Maradona m'a appelé pour me demander si Lionel avait marqué, si tu avais fait quelque chose d'extraordinaire. Pour toi, Diego, c'est Dieu ? Ah oui, pour moi et pour toute l'Argentine. Tout ce qu'il a fait sous le maillot de la sélection, pour le pays, c'est incroyable. Ce genre de foot, il n'y en aura pas d'autre comme lui. Nous avons la chance de l'avoir, mais vraiment être comme lui, c'est trop difficile. Diego Maradona nous a donné beaucoup de bonheur. Messi impressionnait déjà. Malgré une saison blanche, il était un sérieux candidat pour le Ballon d'Or 2007 remporté par Kaka, mais surtout avec ce but maradonesque. Al que li faltava Messi perquè el comparin amb Maradona, perquè aquest gol s'assembla al del Mundial del 86. Espectacular. Però espectacular, espectacular. Jo l'estic veient repetit. Ronaldo est en feu. Lors des saisons 2006, 2007, 2007, 2008, il est une véritable machine et enchaîne les buts. Il rencontrera d'ailleurs son antagoniste préféré, Lionel Messi, en demi-finale de Ligue des Champions. Une demi-finale qui va être favorable à l'encontre du Portugais. Oh, ça a été vite fait. Brown, attention à ce centre, Ronaldo. Oui. Et oui. C'est enfin oui. Ouverture du score pour Manchester. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le joueur de la saison à Manchester. Le 1-2, le 1-2 sur la touche est absolument somptueux. Et ben voici cette finale. Cristiano Ronaldo va remporter la Ligue des Champions et la Première Ligue avec Manchester United en 2008 à Moscou. Une année incroyable pour le Portugais puisque ce dernier va marquer 42 buts. Alors qu'il n'était qu'ailier gauche à cette époque, une machine à but à seulement 23 ans. Le Portugais est un sérieux candidat pour le Ballon d'Or 2008. It's great. It's my first Champions League. You know, I feel fantastic. It's a great moment for me. It's you know, it's magnificent. Yeah, can you show it to us? Yeah, see. Il est l'attraction numéro 1 de ce championnat d'Europe. Voici Cristiano Ronaldo, comme vous ne l'avez jamais vu.
Le truc le plus amusant que je puisse vous dire, c'est que si Manchester United gagne tout, c'est parce que je marque tous les buts à moi tout seul. Non, c'est une blague. Il est le meilleur joueur du monde et il le sait. Même s'il plaisante, Cristiano Ronaldo n'est pas loin de la vérité. Vainqueur de la Ligue des Champions et du championnat anglais, le Portugais a aussi été sacré meilleur joueur et meilleur buteur d'Angleterre. 31 buts en Première Ligue, 42 toutes compétitions confondues, et dire que Cristiano Ronaldo n'a que 23 ans. Pour être sincère, jamais je n'aurais imaginé réussir une telle carrière et avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Bien sûr, j'ai toujours rêvé de devenir joueur de football professionnel, mais sincèrement, je ne pensais pas que tout cela m'arriverait aussi vite. D'être un dribbleur rapide, mon style en tant que joueur, c'est ça. Du moins, c'est celui que tout le monde me reconnaît. Même si j'ai des amis qui me disent que sur le terrain, je ressemble à une danseuse. Comprenez que Ronaldo est parfois critiqué pour plonger, un style qui a pu agacer en demi-finale de la dernière Coupe du Monde face à la France. Une demi-finale perdue. Car si Ronaldo a tout gagné avec Manchester, son palmarès reste vierge avec le Portugal. Une sélection qu'il aime pourtant plus que tout. Le Portugal, c'est mon pays. Celui dans lequel je suis né. C'est le pays pour lequel je joue. Et c'est un grand honneur pour moi de porter les couleurs de mon pays. Perdu à domicile il y a 4 ans. Alors pour sa troisième phase finale, il tentera d'effacer ce triste souvenir dès ce soir face à la Turquie. Car Cristiano Ronaldo a deux objectifs pour cet Euro. Faire enfin triompher son Portugal et se rapprocher encore un peu plus du Ballon d'Or. Une année exceptionnelle. Bravo Cristiano. Vous entrez dans la grande famille du Ballon d'Or France Football. Vous en êtes maintenant un membre éminent de plein droit. Bravo. Bravo. Il y a beaucoup d'émotions évidemment pour Dolores, sa maman. Pour tous ceux qui sont venus de l'île de Madère. Félicitations, parce que tu mérites ce ballon d'or, tu as travaillé dur. Bon, on t'a aidé aussi, donc ça, faut penser aussi à nous, faut aussi que tu nous remercies. J'aime la vitesse avec laquelle il arrive à conduire le ballon. C'est un joueur majeur et cela me plaît beaucoup. Je pense qu'il le mérite parce que marquer quand même 40 buts dans une saison. En étant ailier droit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cristiano, bon, bah, je vais te dire toutes mes félicitations. Tu mérites amplement ce ballon d'or. Tu as prouvé sur cette saison que tu étais le meilleur avec tous ces buts. Donc j'espère que ça va continuer pour toi. Bon, même si tu sais que j'aime beaucoup Léo, les deux, vous l'avez mérité. Félicitations encore et bravo. Il avait cette envie d'être le meilleur, il disait même à Figo qui a gagné déjà le Ballon d'Or qu'il n'y a pas beaucoup de temps que Figo va le voir gagner cette Ballon d'Or. Je souhaite au travers de ce message te témoigner l'honneur que j'ai de pouvoir dire que je suis ton ami. Et surtout, te féliciter pour cette fantastique victoire. Félicitations pour ce trophée et continue comme ça, afin d'en gagner encore plus. C'est la première récompense que tu reçois pour tout ce que tu as fait, mais ce n'est pas la dernière. C'est la première d'une longue série que tu vas recevoir tout au long de ta carrière. Cristiano, nous sommes fiers de toi. Tu es un formidable exemple pour tous les jeunes joueurs qui arrivent d'un pays étranger. Maintenant, continue à te préparer pour gagner. Programme-toi pour gagner et développer ton talent hors du commun. Bien joué. Continue comme ça.